Connais-tu un sale con dans ta boîte? Alors peut-être ton manager, peut-être ton chef, ou peut-être même toute ton équipe. Tu es peut-être toi aussi un sale con. Tu sais, les sales cons, ça prolifère. C'est comme les nuisibles, hein, c'est comme les rats, c'est comme les nuisibles, ça prolifère très vite. Alors il y a un livre sur le sujet, un livre très sérieux sur le sujet qu'un abonné d'ailleurs aux emails quotidiens m'a envoyé, m'a donné hier. C'est Objectif zéro sale con de Robert Sutton ou Sutton qui explique un peu ce fléau. Et du coup, bah tiens, ça m'a donné envie de te faire une petite vidéo légère sur le sujet. Et d'ailleurs, il existe un test, le test du sale con. Est-ce que ça t'intéresse de te faire tester? Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors si je te pose la question, es-tu un sale con toi-même? Est-ce que tu es un sale con? Alors, il y a de fortes chances que tu me répondes non, je ne suis pas un sale con, mais peut-être que le mieux c'est de passer un test, c'est de se faire tester. Alors es-tu prêt? Alors c'est très simple, le test est vraiment très simple, tu as juste à prendre un petit stylo ou une note, un papier, une note, un logiciel de notes, enfin peu importe. Et l'idée, ça va juste être de noter, de répondre aux questions par oui ou non. Alors c'est pas un test qui a une grande, on va dire une grande valeur scientifique, hein, ça n'a pas été testé scientifiquement ou quoi, c'est plutôt un test qu'il faut prendre à la légère, mais ça peut être l'occasion de détecter si tu as des débuts de comportement de gros connard en entreprise. Alors c'est parti pour le test, mets pause cette vidéo, va chercher un stylo ou un logiciel de notes et je vais te poser une petite dizaine, une petite vingtaine de questions assez rapides. Alors ça va être découpé en plusieurs catégories. Alors, première catégorie, c'est un peu, ça va tourner autour de ce que vous pensez vraiment des gens. Donc, c'est ce que toi, tu penses vraiment des gens quand tu es en entreprise. Alors, je ne sais pas si tu es développeur déjà ou pas, ou si tu vas rejoindre une équipe de développement, ou peu importe si tu es dans un autre secteur, puisque ce test, en fait, il s'applique un peu partout dans les entreprises. Alors, par rapport à ce que tu penses aux gens, donc j'espère que tu as de quoi noter parce que tu vas devoir répondre par oui ou non. Alors, première question, vous êtes entouré, c'est ce que tu penses des gens. Alors, vous êtes entouré d'incompétents et vous pouvez vous... Oh, je commence bien pour la lecture. Vous êtes entouré d'idiots incompétents et vous ne pouvez vous empêcher de leur faire savoir cette triste vérité aussi souvent que possible. Oui ou non? Deuxième question, vous étiez une personne très bien avant de commencer à travailler avec ce ramassis de crétins. Troisième question, vous ne faites pas confiance aux personnes qui vous entourent et ils ne vous font pas confiance. Quatrième question, vos collègues sont forcément des rivaux. Il y a beaucoup de, d'ailleurs, il y a beaucoup de, moi j'en ai croisé des gens comme ça qui pensent que c'est que tous les collègues sont des rivaux qu'il faut abattre entre guillemets. Cinquième question, vous pensez que la seule façon d'arriver au top, c'est de pousser les autres hors du chemin. Sixième question, vous jouissez en secret de la souffrance des autres. J'en ai connu des comme ça d'ailleurs, des gens qui étaient heureux de voir que les autres étaient en galère ou avaient un peu de mal. Septième question, vous êtes souvent jaloux de vos collègues et trouvez difficile d'être content lorsqu'ils réussissent quelque chose. On en connaît aussi des comme ça, des gens jaloux qui n'aiment pas le succès des autres en entreprise. Vous avez une petite liste d'amis proches et une longue liste d'ennemis. Vous êtes aussi fier de l'une comme de l'autre. Maintenant, deuxième catégorie, alors là, c'est ton comportement face aux autres. Donc, comment tu te comportes face aux autres, hein, toujours pareil, tu réponds par oui ou par non. Donc, la même question, parfois vous ne pouvez vous retenir d'exprimer votre mépris aux idiots qui travaillent avec vous. Ouais, moi, j'en ai déjà vu aussi des comme ça. Vous trouvez normal de glapir et d'insulter certains crétins dans votre entreprise. Sans cela, ils seraient incapables de faire quoi que ce soit. Onzième question, vous prenez sur vous tout le bénéfice des succès de vos collaborateurs et pourquoi pas, de toute façon, ils ne seraient rien sans vous. Alors, on est comme ça, j'en connais aussi. Vous adorez faire en réunion des petits commentaires inutiles qui n'ont pas d'autre but que d'humilier ou de déstabiliser la personne entre vous. Treizième question, vous êtes très bon pour mettre en évidence les erreurs des autres. J'en connais des comme ça. Quatorzième question, vous ne faites jamais d'erreur. Quand quelque chose ne va pas bien, vous trouvez toujours un crétin à engueuler.
Quinzième question, vous interrompez systématiquement les gens, ce que vous avez à dire est plus important. 16e question, vous léchez en permanence les bottes de vos supérieurs et vous attendez que vos subordonnés en fassent de même. J'en connais pas mal des comme ça aussi. Vos blagues et remarques caustiques peuvent parfois être un peu méchantes, mais il faut admettre qu'elles sont vraiment très drôles. Vous aimez vos collaborateurs les plus proches et ils vous aiment, mais vous êtes en état de guerre permanent avec le reste de l'entreprise. Vous traitez tous les autres comme des merdes, car s'ils ne font pas partie de vos amis, c'est qu'ils font partie de vos ennemis. Alors, oui ou non ? Troisième catégorie maintenant, c'est le comportement des autres face à toi dans l'entreprise. Alors, 19e question, lorsqu'ils vous parlent, les gens semblent essayer d'éviter votre regard et ils deviennent souvent nerveux. 20e question, vous avez l'impression que les gens font très attention à ce qu'ils disent devant vous. 21e question, vous recevez fréquemment des réponses désagréables à vos emails et cela dégénère la plupart du temps en conflit atomique avec ces connards. 22e question, les gens paraissent souvent hésiter à vous divulguer des informations personnelles. 23e question, quand vous apparaissez dans une assemblée joyeuse, les rires s'interrompent immédiatement. Lorsque vous arrivez quelque part, il se trouve systématiquement quelqu'un pour annoncer qu'il doit partir. Voilà, c'était les 24 questions de ce test du connard. Alors, maintenant, donc voilà, c'est des questions où tu as répondu oui ou non. On va regarder un peu le test. Alors, comme je te disais, c'est pas un test qui a une grande valeur scientifique, encore une fois. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, si tu as entre 0 et 5 réponses positives, alors la réponse est quoi ? C'est vous ne devriez pas être un sale con certifié, mais peut-être que vous ne vous connaissez pas vous-même. Voilà, bon, ça c'est si tu as entre 0 et 5 réponses positives. Maintenant, si tu as entre 6 et 15 réponses positives, alors là, c'est là que ça se corse. Attention, vous êtes à la limite du sale con certifié. Le moment est sans doute venu de changer de comportement avant que la situation n'empire. Et si tu as plus donc de 16 réponses positives, c'est « Vous semblez être un vrai sale con certifié, vous avez besoin d'aide, mais vous serez aimable de ne pas me demander mon aide, je préfère ne pas avoir affaire à vous. » Bon, bah tu l'auras compris, j'espère que tu n'as pas plus de 5 réponses positives, sinon tu fais partie de ces connards que l'on retrouve souvent en entreprise. Moi, à titre personnel, bon, c'est pas régulier, mais des connards comme ça en entreprise qui avaient sûrement entre 6 et 15 réponses, j'en ai croisé pas mal. Des lèche-bottes, des lèche-cul, des gars comme ça, il y en a pas mal. Des gens aussi qui pensent à t'écraser justement pour essayer de monter. Des gens qui essayent de te déstabiliser en réunion. Des gens qui veulent toujours s'attribuer le mérite. On en croise pas mal. Voilà, pour terminer sur cette petite vidéo légère aujourd'hui, t'es pas obligé d'être un connard pour réussir en entreprise, t'es pas obligé d'écraser les gens, t'es pas obligé de penser que tous les autres collègues de ta boîte sont des ennemis. Je pense que t'es pas obligé d'être un connard pour réussir en entreprise. Donc voilà pour cette petite vidéo légère aujourd'hui. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et sache que cette semaine dans les emails quotidiens on parle beaucoup de JavaScript, alors n'hésite pas bien sûr à t'abonner aux emails quotidiens puisque toute cette semaine on parle de comment réussir le passage à JavaScript. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine, à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao.